Ouais, sinon je suis en train de bosser là, je prépare mon interview de demain, mais avec le soleil. Oh, ça m'a fait que cet appartement est beaucoup trop lumineux. Donc du coup, non, voilà, je suis en train de bosser en mode vieille école. Moi, je kiffe écrire mes questions, tout ça, et travailler sur du papier. Du coup, voilà, je vais tourner un témoignage hyper inspirant parce que c'est l'un des nouveaux concepts que je vais lancer. En plus donc de Baby Story, de ma plateforme de lutte contre le harcèlement, de mes contenus humoristiques, tout ça, je lance également des nouvelles interviews, des nouveaux témoignages de parcours de vie. Inattendu, inspirant, de gens libres, de gens qui ont choisi d'avoir des vies différentes. Et franchement, ça va être ultra canon. Je tourne donc cette première émission demain. Voilà, là, je suis en train de bosser dessus. Enfin, je vous dis, j'ai pas encore commencé, hein. La feuille est blanche, comme dans mes cours de maths et mes concours quand je comprenais rien à la chimie. Mais du coup, je suis super content parce que le contenu sur lequel je bosse en ce moment, que j'essaye de vous proposer, est un contenu qui prend en maturité, qui évolue en même temps que moi. Et je pense que vous comme moi, on a tous grandi. Enfin, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont grandi en même temps que moi. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, bah voilà, j'ai envie d'autres choses. J'ai envie de contenu qui me ressemble plus. J'aime rencontrer des gens, faire des découvertes, m'inspirer de parcours. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de vous proposer du contenu qui est beaucoup plus intéressant qu'avant. Et d'évoluer dans mon voilà dans mon travail. Donc rassurez-vous, hein, je vais continuer à vous faire rire et à faire le mec qui a un sérieux problème. Mais voilà, je lance aussi plein de nouvelles choses et j'espère que ça vous plaira. Et donc voilà, première interview, premier parcours atypique demain. Est-ce que je me lève à 4 heures du mat pour partir en tournage? Oui, oui, oui. Direction la gare, c'est parti. Je suis frais comme un gardon, à mon grand étonnement. J'ai dormi 3 heures, mais tout va bien. Tchatcheuse, 5h39, elle est chargée comme une mule, avec tout son matériel.